Voilà. Test 1-2-1-2. Oui, ça fonctionne. Ok. Salut les filles. Alors aujourd'hui, je vais faire ma présentation et je vous réserve une surprise à la fin. Je suis désolée, un, pour le vernis super laid, parce que je suis vraiment nulle. Et deux, parce que j'avais écrit sur la chaîne que je mettrais la vidéo le 25. Sauf qu'à cause des parties de Noël pis tout, en famille et tout, je la mets juste aujourd'hui, le 27. Donc, on va commencer. Je m'appelle Marianne. Mon prénom complet, c'est Marianne Rose. Donc, voilà pourquoi mon autre chaîne s'appelait MR Pitchupful. Marianne Rose Pitchupful. J'étais fan d'elle, sauf que quand elle a quitté la chaîne, il a fallu que je trouve... quand elle quittait YouTube, il a fallu que je trouve d'autres personnes que j'aimais. Donc, en ce moment, je fais un petit clin d'œil à... RPS Anna et Sophie GTV. Pardon. Donc c'est ça, je suis canadienne, mais désolée pour mon accent un peu français dans les vidéos parce que, tu sais, vous les filles, vous parlez français. Et moi, je suis habituée de vous entendre parler français de France. Donc je suis habituée quand je suis au pitch-up de parler comme ça. J'ai 11 ans, ma fête c'est le 23 août. Je suis née en 2001. Je dois vous dire beaucoup de choses à propos de moi. Donc, j'adore la cinématographie, les pitch-up, la musique, le chant, le piano parce que j'en joue. Et aussi, j'adore One Direction. Vous voulez la preuve? Ben, c'est parti! Alors, voici mon mur. Donc, j'ai même fait en haut une affaire de pitch-up. Donc, avec mes sortes de pitch-up préférées, Mrs. Horan, Mrs. Tiles, Mrs. Tomlinson, Mrs. Malik et Mrs. Payne. Donc, avec mes sortes de pitch-up préférées, Mrs. Horan, Mrs. Tiles, Mrs. Tomlinson, Mrs. Malik et Mrs. Payne. Je suis droitière, donc voilà pourquoi je tiens la caméra avec la main droite et le pitch-up avec la main gauche. Donc à propos de One Direction, j'aurai pas le temps de vous montrer toutes les choses que deux, que j'ai, mais j'en ai vraiment beaucoup. Donc c'est une vidéo rapide, j'ai la visite en bas chez nous en plus, donc ça, j'ai trouvé le temps. Désolée si vous entendez des bruits de fond. Et c'est ça. Donc je parle français et anglais, et certains vont se dire... Ouais, ben t'as pas de preuve, alors prouve-le-nous. Ok, français. Donc je viens de dire tu vois, vous voyez, je sais pas le mot en français. Des facts, je dis en anglais. Des faits à propos de moi. En français. Alors, je m'appelle Marianne, j'ai 11 ans et je viens du Canada. En anglais maintenant. Hey, I'm Marianne, I'm 11 years old, and I'm from Canada. Vous vous demandez sûrement comment je sais ça. C'est parce que j'ai fait l'anglais intensif, donc je suis en 6e année, j'ai fait l'anglais intensif. Pour les pitch-up, j'ai plusieurs sortes de pitch-up préférés. J'adore les Cocker Spaniels. J'adore les Collies. Et j'adore aussi les chats. Mais j'aime aussi les Chihuahuas. Les Teckels. Les chatons. Les Huskies. Trop mignon! D'autres sortes de Huskies. Les Corgis. Les lapins, les loups, même s'il y en a juste un, les grands danois, les chiens comme ça, et plein d'autres. Alors voilà, la surprise maintenant. Je vais vous montrer mes cadeaux de Noël. Alors j'ai eu... Oups, mais d'abord je dois vous dire que je vais juste présenter... Et pitch-up,
et deux autres choses au hasard que j'ai reçues pour Noël. Que à part les petits. Donc c'est parti. Alors voilà, donc j'ai des féeries. Alors donc voilà, je sais que les féeries c'est pas très beau, donc c'est vraiment bizarre comparé aux autres normaux. Que j'ai fait une différence. Alors voici deux kangourous, un féerie et un normal. Les féeries tombent tout le temps. Ça m'énerve vraiment, ils tombent tout le temps les féeries. Donc c'est ça. Ils tombent tout. Donc c'est ça. Alors kangourou et kangourou féerie. Donc c'est vraiment bizarre. Donc dans ce kit là, il manque un smoothie vert. Donc j'ai un smoothie bleu, un smoothie rouge, des pommes et des biscuits. Ça tombe tout le temps. Un lémur, un kangourou et un hamster, trop bizarre. Mais c'est le thème du soccer, donc il y avait un but de soccer, un ballon de soccer. Mais je suis allée chez ma cousine en fin de semaine. Je veux dire le 25 pour le party de Noël justement. Et ma soeur, j'avais installé le pitch up. Ma soeur est venue jouer avec. Et j'ai perdu trois choses, donc le smoothie vert. Flash en plus, c'était trop beau. Un ballon de soccer et un but. J'ai aussi comme LPS. Celui-là, trop bizarre. Avec une petite. Bébé comme ça. En fait, le mien était mauve. Celui qui venait avec était mauve avec les yeux verts. Mais je l'ai changé avec ma soeur parce que je trouvais plus beau le petit vert et rose comme ça. Puis elle a préféré l'autre. Donc voilà. Avec des ailes, c'est trop moche. Bon, pas grave. C'est cool pareil. Le petit peut me servir hein, comme animal de compagnie pour les pet shops normaux. Voilà, donc quand je suis allée chez ma cousine, chez ma tante, pour le party de Noël, j'ai eu des pet shops aussi. Mais je suis contente parce que c'est ma cousine qui me donne souvent les beaux pet shops ces temps-ci parce qu'en magasin, il y a juste les féeries qui sont pas beaux. Donc je suis contente parce qu'au club Vélotron, elle m'a dit qu'il en restait des beaux. Et ils sont trop mignons, ceux que j'ai eu. Alors je vous les montre. Alors les deux fameux huskies, donc il y en a un. C'est celui-là. Pour les féeries, j'aurais pas trouvé de nom. Si vous avez des noms à me proposer, merci de m'en proposer. Mais elle, c'est Geneviève. Et comme j'ai trois huskies, comme petit. Tiens, un truc. Là, c'est une luge. Et comme j'ai maintenant trois skis, c'est ce que j'allais dire. Comme j'ai maintenant trois skis comme ça. Alors, celui-là et celui-là. Donc, vu que j'en ai comme ça, elle, je l'ai appelée Leila, donc ça n'a pas rapport. Mais elle, je l'ai appelée Hollywood. Donc, c'est un nom de ville, Hollywood. Et donc, elle, je l'ai appelée Miami. Donc, c'est une petite fille. Ça se peut que ce soit un petit gars. C'est trop cute. Ils vont bien ensemble. Donc sur la dernière coupure de vidéo, vous m'avez sûrement remarqué essoufflé et je suis encore un peu parce que j'ai couru pour aller chercher Hollywood et Leila. Donc j'ai couru partout dans ma maison jusqu'à mon sous-sol parce que je suis dans ma chambre en haut et j'ai couru jusqu'à mon sous-sol où il y a ma ville de Pet-Shop et mon Pet-Shop et tout. Pour aller chercher justement Leila et Hollywood. Mais c'est pas tout. Alors là, je vais vous montrer trois cadeaux que j'ai choisis au hasard, que j'ai reçus à Noël. C'est trop drôle parce que chez ma tante, j'ai une statue de Louis Tomlinson. J'ai eu encore une fois un truc de One Direction de ma tante encore. C'est plus de ma cousine parce qu'on est fan fini de One Direction. Genre, ouais, tout. Alors, c'est un livre en français.
je suis super contente de l'avoir, je voulais depuis longtemps. Donc vous pouvez imaginer la taille, donc le petit parcours et le et l'autre cadeau que j'ai eu chez moi. Alors voilà. Qu'est-ce que c'est? Un tiers écouteur, donc je suis super contente parce que mes... je suis pas fait ça. Je suis super contente parce que mes écouteurs Apple ne fonctionnaient plus. Donc je suis vraiment contente que tout le kit. Puis j'ai une garantie de 3 ans. Donc c'est un Beat Solo. J'ai une garantie de 3 ans. Je les identifie. Que Beat. Beat, c'est Beat S. Donc c'est Beats. Beat S pour solo. By Dr. Dr. Je sais pas pourquoi. Donc j'ai une affaire comme ça de rechange. C'est super bien. S'ils aiment trop, même s'ils sont rouges, j'avais des couleurs, des full belles couleurs genre rose, bleu, mauve, vert. Voilà, c'était tout. Mais j'ai des idées de vidéos déjà. Pour mes prochaines vidéos avec la même caméra full HD, full bonne qualité. J'ai déjà plein d'idées de vidéos pour plus tard, une idée de série. J'espère que vous allez aimer mes vidéos et mon autre série à ma Pitchup Full était vraiment nulle. J'avais pas une bonne qualité de caméra, mon iPod et une flip, pas bon. C'était flou. J'avais pas de bonnes idées, vraiment nul. J'avais commencé des séries par rapport que j'ai même pas terminé. Pitchup Life, je suis trop désolée pour la vidéo nulle que je t'ai faite. Que je vous aime, bisous, bye bye. Oups, j'ai presque oublié de dire que j'utilise le site de montage iMovie. Donc c'est ça, bye, bisous.